Moi, je suis avant tout, je dis tout le temps ça, mais un artisan au service des œuvres, pas plus. Je veux dire, pour moi, c'est, je suis un passeur entre l'œuvre et le public. Moi, les collaborations artistiques, elles sont fondamentales, que ce soit avec certains chanteurs, certains chefs ou certaines maisons, effectivement, comme La Monnaie. Il y a une chose qui me plaît beaucoup à La Monnaie, c'est l'éclectisme des choix. Déjà, passer de la Maison des Morts à Don Pasquale, c'est vraiment un grand écart. Ça, c'est, pour moi, je trouve ça vachement beau. Après, ce sont les équipes, les équipes du plateau, les équipes des constructions, de décors. On est dans l'atelier de costumes. J'adore être ici. J'adore l'ambiance, la fabrication, le soin apporté à chaque et le professionnalisme, quoi, le choix, le soin apporté à chaque détail. C'est le côté famille quoi, qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup travailler avec des collaborateurs, que ce soit scénographes, éclairagistes, dramaturges. Il se trouve que les costumes, j'ai toujours fait ça. Je dessine les maquettes de costumes, donc les personnages, et le fait de dessiner le personnage me permet de rentrer dans la psychologie et dans l'esprit du personnage. Donc je passe même plus de temps à réfléchir sur l'expression générale, globale du personnage que finalement le costume en lui-même. Là, par exemple, pour Don Pasquale, je fais un peu évoluer le personnage de Norina, son dernier costume, qui est un costume flamboyant. On a retravaillé avec Anne-Catherine Gillet et Daniel Denis sur le personnage, sur comment on raconte le personnage et voilà comment on le à l'origine, je trouvais qu'il était un peu trop rétro je voulais le rapprocher de nous, faire quelque chose de plus contemporain. Don Pasquale, c'est pas unique parce qu'il y a beaucoup de comédies dans le répertoire de l'opéra, mais c'est un chef-d'œuvre. Les chefs-d'œuvre, c'est la quatrième fois que je le mets en scène puisque je l'ai créé à Santa Fe, puis à San Francisco et à Barcelone. On n'en a jamais fait le tour, c'est-à-dire que je découvre encore des choses aujourd'hui et tout ce que j'arrive à communiquer aux interprètes est finalement infini, c'est-à-dire qu'on peut aller très très loin dans le détail, dans le détail des intentions, dans le détail physique, dans les regards. C'est ça pour moi la définition d'un chef-d'œuvre. Et le costume, la silhouette du personnage, c'est plus la silhouette d'ailleurs que le costume, c'est-à-dire que c'est la corpulence, est-ce qu'un personnage est mince, gros. Alors là, il se trouve que les deux interprètes, Pietro Spagnoli et Michele Pertusi, sont deux hommes qui ont à peu près un peu plus de 50 ans. Le personnage de Don Pasquale, il dit avoir 70 ans, autour de 70 ans. Je pense qu'il ment en plus, mais qu'il est plus âgé que ça. Et même 70 ans au début du 19e siècle,
C'est comme 90 ans au moins aujourd'hui. Donc il y a une composition physique, il y a une recherche sur la forme de son corps, sur sa démarche, sur comment il se tient, comment il parle, comment il regarde. C'est un tout. J'adore cette pièce pour cette raison. Voilà, c'est d'une richesse. Et aussi, parce que ce n'est pas que du théâtre, c'est de la musique aussi. Et la musique et le théâtre sont tellement liés que je ne fais même plus la différence. Don Pasquale et le Coq d'Or, y compris Cendrillon, il y a une narration onirique qui est présente même dans Don Pasquale, même dans de l'opéra bouffa pur. Et il y a aussi une certaine mélancolie qui est dans les quatre œuvres. C'est quatre œuvres comiques. Cendrillon l'est un peu moins, c'est plus une féerie, mais il y a quand même toute une partie bouffe avec la belle-mère et les sœurs, etc. Mais il y a une présence, il y a une tristesse et une mélancolie très très forte dans toutes les œuvres. Pour moi, c'est ça. Enfin, je tourne autour de ça presque inconsciemment depuis longtemps. Mais c'est la comédie qui m'intéresse. Pour moi, la comédie, elle n'est drôle que si elle est triste. Quichotte, pour moi, c'est une œuvre qui est un peu difficile à passer aujourd'hui, à faire entendre aujourd'hui, parce qu'elle traite, elle adapte Cervantes de manière un peu légère et un peu à travers le prisme de la fin du 19e siècle et avec la morale chrétienne de la fin du 19e siècle, ce qui est un peu particulier. Donc, telle que la pièce, pour moi, elle est démodée. Il y a quelque chose. La musique est extraordinaire, mais le livret est dépassé, démodé. Donc l'idée de ce rêve, de ce personnage, on ne sait pas si c'est Massenet ou enfoui dans une montagne de partitions ou de textes ou de rêves de littérature, en tout cas. Pour moi, ça faisait passer presque les faiblesses du livret.
soutien de celui qui pensa l'humanité souffrante. Et survécu à la chevalerie errante. Mon maître, Sancho, mon bon Sancho, nous allons nous quitter. Ingrat, vas-tu me regretter? Le Coq d'Or, ça a été une révélation pour moi parce que c'est un répertoire que je ne connaissais pas du tout à l'origine. Et j'ai rencontré un compositeur extraordinaire dont je rêve de monter d'autres ouvrages dans le futur, mais où, avec une puissance dramatique, une puissance dramaturgique de sens, de politique, et une drôlerie immense, et une tristesse immense aussi. Птица бьется не напрасно, предстоит нам путь опасный. Старина, встаем живей, выручать идем детей. Не шелом тащите лапы, лапы мне уж честноваты. А ищите, где висит мой любимый красный щит. Je suis un passeur entre l'œuvre et le public. Pour moi, il y a beaucoup de manières de monter des ouvrages. Il y a des ouvrages qui nécessitent un concept. Il y a des ouvrages qui ont besoin d'une relecture. Certains ouvrages oubliés, certains ouvrages dont on ne comprend plus les codes culturels, sociaux, politiques, d'époque, artistiques, le style, et qui ont... pour passer aujourd'hui, pour être entendu, reçu aujourd'hui de manière intéressante, alors certains ouvrages nécessitent ça. D'autres, non. D'autres sont des chefs-d'œuvre qu'il suffit presque de mettre en scène. Don Pasquale, par exemple, pour moi, c'est un chef-d'œuvre absolu, un chef-d'œuvre de la comédie, du bel canto de l'opéra bouffa, du bel canto comique. Mais c'est une... et c'est ce que je mets en scène, c'est-à-dire que c'est le mécanisme de l'œuvre que je mets avant tout en scène.